monde, j'espère que ça va bien. On est rendu à la journée 4. Aujourd'hui, on voulait aller à la cascade, mais on s'est levé vraiment tard. On a eu des super belles discussions hier soir jusqu'à comme 3h du matin. C'était vraiment intéressant d'apprendre à... Tu sais, quand tu es en voyage, tu apprends à connaître les gens, tu apprends leur histoire. Puis là, à travers leur histoire, ça te fait réaliser des choses sur toi. En tout cas, moi, je suis comme ça. Puis là, ça... on dirait que ça nous fait vraiment grandir, un voyage. On dirait qu'il y a une espèce de proximité qui se passe au niveau des personnes parce qu'on devient vraiment proche rapidement à force d'être avec eux. Fait que là, aujourd'hui, on est rendu... à la petite plage qui est juste à côté de notre habitation. Fait que je vais vous montrer ça en image. C'est vraiment beau. C'est sûr que c'est pas des plages de sable blanc parce que on voulait vraiment garder l'aspect naturel. Fait qu'on est vraiment plus dans le côté campagne de l'endroit de Cuba. Tandis que les plages blanches ont été exploitées par les resorts en général. Fait que c'est ça. Puis tu sais, ils ont été un petit peu comment je pourrais dire? On a été un petit peu changé. Tandis que nous, on veut vraiment garder ça le plus naturel possible. Fait que je vous montre de quoi ça a l'air. Wouhou! J'arrive! Voilà. Alors là, on s'est fait embarquer dans un camion. Hein? Il a fallu qu'on escalade cette grosse grille. C'est cool, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est ça. Siempre, y tengo mi pensamiento.
là. Je suis venue chercher ma caméra en vitesse. Parce qu'on est en train de se faire du pain doré, en fait. Parce que tout le monde est allé en ville. Puis Emma, puis moi, on a décidé de rester à la villa. On a décidé de faire du pain doré. Comment? On essaye, hein? Ouais. On a pris, en fait, ici, on a des grosses baguettes de pain comme ça. Puis là, on l'a coupé. Je l'ai mis sur la table. Parce que je mange ça à cuillère quasiment. C'est bon? Non, je mange pas ça à cuillère, mais j'aime ça. Puis là, on a coupé ça de même en petites tranches. Là, ça donne quelque chose qui colle, comme si on a mis des petits œufs frais dedans. Mm-hmm. Mais c'est pas si pire, je trouve. Non, c'est frais. C'est correct. Ça sera très bon parce que là, dans le fond, on est comme en espèce de detox de chocolat. Ouais! Ça fait comme 3 jours qu'on a le goût de manger du chocolat, puis tu sais, à Cuba, dans le fond, en ce moment, il n'y a plus d'import-export. Fait qu'on est obligé de s'organiser avec les ressources qu'il y a sur l'île de Cuba. C'est une île, Cuba, ouais? Oui. C'est ça. Fait qu'on est obligé de s'arranger avec les ressources qu'il y a sur l'île. Donc, même quand tu vas au dépanneur, il n'y a même pas de chips. C'est assez incroyable. Fait que là, je vais vous montrer. Il est à peu près 7h30 en ce moment. Je vais vous montrer la petite vue qu'on a. Ouh, mon Dieu! Ah oui! Puis une dernière chose. Ici, le miel, ben c'est la seule chose qu'on a pour sucrer nos pains dorés. Il laisse les abeilles dedans. Fait que des fois, tu mets un petit peu de miel dans ton café le matin ou sur tes pains dorés, puis ça se peut qu'il y ait une abeille qui tombe avec. C'était tout pour l'histoire du pain doré. Tadam! C'est ce que ça donne. Oh non! J'ai peur, ma caméra. Non! Là, je me regarde. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Pendant que les autres étaient sortis à l'extérieur, Emma et moi, on a décidé de se faire un petit rituel à la pleine lune. On a pris un papier, on a écrit dessus tout ce qu'on avait envie de laisser aller. On s'est confié l'une à l'autre. Et puis, ensuite, on l'a brûlé. Juste laisser aller. Puis on a vécu le moment présent. C'était vraiment cool. Cette fille-là, c'était une inconnue, il y a quelques mois de ça avant. La vie a fait qu'on a été mangés ensemble, puis ça a cliqué. Tu sais, des fois, comme ça, tu rencontres des gens au bon moment, puis t'attires exactement ce que tu voulais faire dans ta vie, ce que tu voulais être. T'attires des gens nouveaux, t'attires ce que t'es en dedans. Puis, je te le souhaite tellement. C'est tellement ça que je veux te partager dans cette retraite-là, dans ces retraites de yoga-là que je crée exactement pour ça, pour connecter avec des parties de toi à travers d'autres personnes inspirantes, pour laisser aller des parts de toi peut-être que tu n'as jamais explorées ou peut-être que tu as assez exploré et que tu veux juste laisser aller. J'espère que tu as aimé mon vlog. Abonne-toi à ma chaîne et puis va voir les liens en description si jamais tu veux plus de détails sur ces retraites-là. Namasté!